Bonjour les amis, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Alors désolée un petit peu pour la luminosité. Je suis en train de filmer, je suis allongée sur mon fauteuil. Oui, je me repose parce que hier, je vais vous expliquer, j'ai eu un gros souci. C'est qu'à partir de 18h, j'ai commencé à ressentir des maux de tête assez intenses et des nausées, mais alors ce n'était pas possible. Et j'ai fait que vomir et ça m'a tenu jusqu'à 21h du soir. Ça c'est après, c'est passé. Et avec un transit assez rapide. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est mon traitement de l'hypertension? Bon, ça fait quand même 10 jours que je le prends. Il m'a pas fait de problème. Et là, je suis en train de me dire hier ce que j'ai mangé en plus. Alors, la nourriture d'habitude, il n'y a pas de souci, hein, je mange assez sainement. Mais ce que j'ai fait hier, c'est que j'avais pris des bougies et parfumées et je les ai allumées. Et ça m'a mis un mal de tête ainsi qu'à mon fils. On n'était pas vraiment pas bien. Et j'ai pourtant aéré et tout, on n'était vraiment pas bien. Et aussi le fait que j'ai pris une vitamine C le matin et que j'ai changé mes probiotiques. Et je pense que ça m'a pas fait un bon mélange. Donc je me suis retrouvée vraiment pas bien du tout. J'ai pu passer une nuit assez correcte. J'avais très très soif parce que j'étais assez déshydratée. Donc ce matin, on est le vendredi 13, heureusement, je peux vous garantir que je suis très calme sur mon canapé. Je me repose, j'ai même une bouillotte. Attendez, je vais vous faire montrer ma bouillotte. Ma bouillotte qui est là pour me chauffer mon ventre parce que j'ai assez mal au ventre. Mais tout ce qui s'est passé hier, j'ai fait la diète, je mange très léger. Oh, très léger. C'est pommes de terre vapeur avec un œuf coq à midi et un petit suisse. Et ce soir, ça va être un potage avec, pareil, un petit suisse ou je ne sais quoi encore, et un peu de compote pour... Voilà. Je vous garantis que j'étais vraiment mal, j'ai vraiment très peur, c'était catastrophique. Donc oui, aussi bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu mon lit médicalisé ce matin, parce que j'avais des gros soucis pour me lever. Je fais tous les matins mon yoga et c'était très difficile de replier mes jambes et tout. De me relever tout simplement, c'était devenu très difficile. De me tourner, c'était devenu très difficile. Donc je demandais à mon médecin de me prescrire un lit médicalisé. Il est arrivé ce matin, mes enfants l'ont testé très bien. Ma fille m'a fait le lit. Et j'ai commandé justement sur Blanche-Porte des draps housses, des parures pour mon lit parce que c'est un lit d'une case et donc mon chéri dort. Va devoir dormir dans notre lit tranquillement. Voilà. Ben oui, c'est ça, hein, la vie quand on a une maladie qui vous handicape et voilà. Enfin bref, donc pourquoi je vous fais cette petite vidéo là? Je vais la poster quand même, hein, parce que là c'est du brut. Je vais faire une petite vidéo, c'était une petite vidéo au maquillage tout terrain des nanas belles. Et je fais un gros coucou à Annabelle qui m'a permis de faire cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai trouvé que ton maquillage était super bien et que ta vidéo était très super bien. Et puis je t'aime beaucoup. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, si mes abonnés aussi sont là, je leur fais un gros coucou, un gros bisou. Si les futurs abonnés ont envie de venir partager un peu mon quotidien, ils sont bienvenus, bien sûr. Et puis déjà, je leur fais un gros bisou d'avance. Et puis moi, je pense que je vais vous laisser. Je vais continuer à me reposer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, depuis 15 jours, j'ai dû me remettre à prendre mon cachet d'hypertension parce que pour moi, mon hypertension était s'affoler. Et comme je vous disais, on ne sait pas si c'est le traitement de fond qui perturbe tout ça. Mais on pense que oui. Donc on va s'occuper de ça. D'abord, on va un peu régler ce problème de tension. Et puis voilà. Donc, ben là derrière, c'est mon coussin pour la nuit. Parce que ce foutu. Comment ça s'appelle? Ce foutu fauteuil, il y a un creux juste au niveau de ma nuque et ça me fait super mal. Donc j'ai une couverture, je suis super bien, ça va mieux que hier soir, je souffle. Parce que moi quand je suis malade, je fais jamais semblant, hein, je peux vous garantir, même ma sclérose en plaques, elle n'est pas petite, hein, grande sclérose en plaques. Elle m'handicape pas mal, hein, elle me fait pas mal souffrir et il y a des jours où c'est pénible, il y a des jours où... Voilà.
Donc, j'ai choisi de faire diète et repos pour pouvoir être mieux. De quoi qu'il en soit, j'espère que lundi, je ferai une petite vidéo. Ben justement, je ferai le maquillage tout terrain d'Annabelle. Sa chaîne, c'est les Nanabelle. Abonnez-vous à sa chaîne parce que moi, je trouve qu'elle a une très, très bonne. C'est une très très bonne chaîne, elle est très sympa, elle est vraiment très agréable, Annabelle. Donc allez-y. Puis en même temps aussi, vous pouvez passer dans ma chaîne aussi, hein, il n'y a pas de souci. Je vous fais très gros bisous et à très bientôt.